Ok, yo les gars, c'est Big One Person. On se retrouve pour l'épisode 14 de l'aventure sur Blox Fruit. J'espère que vous allez bien. On est à la partie 2 de la Wag du Light. On avait débloqué à l'épisode précédent la Divine Arrow. Donc hop, ça charge un petit skill comme ça. On peut le charger en 3 coups, comme on a vu avec les 3 lumières. Et je le lâche, et ça fait 3 flèches tout simplement. Et on a débloqué aussi le Fly, qui nous permet maintenant de changer de direction. Hop, donc c'est assez pratique. Ça change la vie. Et on a aussi débloqué, pour finir, le Hand of the Emperor. Ok, désolé pour la prononciation. Donc c'est un Kamehameha tout simplement. Et ça fait pas mal de dégâts. Pareil pour la Arrow. Regardez, hop, je charge au max. Et ça nous fait un Dechi 3000 de dégâts. Donc c'est pas mal comparé aux anciens skills. Donc au programme dans cette vidéo, on va essayer d'awaken les deux derniers moves tout simplement. Le Reflection Kick et le Skybeam Barrage. Mais juste avant, on va aller buy un petit fruit les gars. Ok, que la luck soit avec moi. Sachant que hier, on a eu un abonné qui nous a gentiment donné un pot. Qu'on a deux fruits à 1 million pour Swan. C'est bientôt quand même Swan en vrai de vrai. Level 850. Je dis que je farm un peu. Et puis on y est bientôt pour la quête de. Non, c'est pas Swan, qu'est-ce que je raconte? C'est Bartholomew, voilà. Parti, Blox Fruit Gacha. Allez, donne-moi un petit léopard, là, vite fait, là. 3, 2, 1, 5, ok, je l'ai déjà. Je l'ai déjà ou pas? Ouais, je l'ai déjà. Bon, pas grave, va le poser quelque part, là. Tiens, frérot, hop, drop. Allez, Roronoa, prends ça. En plus, il est corda avec ton outfit. Ok, attendez, on va voir la boutique d'abord de fruits. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? J'aurais un petit peu le seum si on a un bon fruit maintenant. Je vais pas vous mentir, vu qu'on est en train d'avoir le light. Et ça a pas l'air d'être le cas, il y a vraiment rien en boutique. Ok, parfait. Ok, bon, on est bien arrivé pour faire le raid. On va mettre le petit code rouge, bleu. Oula, bleu, vert, bleu, si je dis pas de bêtises, ok, c'est ça, parfait. On se rend à l'intérieur de notre petite usine à Waken des fruits. Et bah là, c'est le moment où on attend les gens, quoi. Ok, donc c'est parti, premier raid, on est à 500 fragments actuellement. Donc je pense que pour Waken, le troisième move, il va nous falloir à peu près, je pense, 4000 fragments, 4500, donc on va essayer de faire 4 raids. Donc c'est parti, essayer de les aider un petit peu, c'est de pas mourir comme la dernière fois. Ok, ça spawn, directement, hop, on charge ça, on essaye de pas trop aller en phase 2, c'est comment ça se passe. Hop là, oh le laser est trop bien. Oh c'est tellement satisfaisant. Tellement plus satisfaisant que l'autre skill. Ok, on peut même les aider un petit peu je pense. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Oula, mais c'est quoi ce fruit? C'est bizarre ça, non? C'est super humain, je sais pas. Je peux m'en commenter ce que c'est, je sais pas du tout. Oula, 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 oula. Non mais c'est une blague le smoke là, il m'a amené avec lui dans l'eau. Il est suicidaire. Oh, non, je crois que c'est un mob assez dur. Faire attention, on va s'en éloigner. Hop là, vous approchez même pas. Oula, il s'approche lui. Lui il s'approche, lui, il est fort lui. Il résiste à mon skill. Oula, ça bug un petit peu, faut faire attention. J'ai pas envie de mourir. Oh là, reste à distance. Non, le move est trop bien. Oh, je suis désolé, Light Awaken, il est trop, trop bien. Oh là 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 là. Je pense que si j'avais gardé Ice aussi, ça serait pas mal du tout. Awaken, mais Light est majestueux. Franchement, incroyable. Je vous conseille, les gars. Ceux qui débutent Blox Fruit, Light, incroyable. Ok, bon, on est parti pour la deuxième île. Là, je suis un petit peu moins serein que pour la première. Je vais pas vous mentir. Mais normalement, ça devrait bien se passer. On a deux skills Awaken. Permettent de nous faire des. Oula, oula, oula. Permettent de faire des dégâts. Donc, ça devrait le faire. Ok, bon, celle-là a l'air d'être vraiment compliquée. Sachant qu'on est que. On est que deux, je crois. Il y a que lui avec son Doug. L'autre est mort ou parti. Ça va être un petit peu compliqué. Là, je vais pas trop m'interférer. Non, on va essayer quand même de caler une petite attaque là. Non, j'ai trop peur. J'ai trop peur. Non, je le sens que je vais mourir comme la dernière fois. Donc, on va rien faire. Il se débrouille. Hein. Franchement, il se débrouille. GG à lui. Il est chaud. Il est chaud. Ok, voilà, reste à distance. Mais pourquoi il s'approche? Non, ça bug. Oh non, j'aime pas quand ça fait ça. Ok, la deuxième île c'est fait. Bon, la troisième île, les gars, je suis encore moins serein que pour la deuxième. Mais bon, je pense qu'on va quand même tenter. Je pense que c'est bon. Non, en vrai de vrai, c'est faisable. En vrai de vrai, je pense que je peux le faire. Ah, il est mort. Non, je vais devoir solo le raid ou quoi là? En vrai, je suis sûr que je peux le faire, les gars. Bon, je détruis un petit peu vos espoirs, mais je suis lamentablement mort, les gars. Voilà. Ok, les gars, pendant qu'on en est à refaire le raid, je voulais vous dire merci pour les conseils que vous donnez en commentaire, tout ça. Vous m'avez dit que la race V2, je crois c'était level 800 par là. La V3, 1000 ou 1100, je sais plus. Je relirai le commentaire. Donc, on fera ça prochainement avec la quête de comment il s'appelle, le mec qui fait des barrières, de Bartholomew. Ok, bon, deuxième raid. Cette fois-ci, je pense pas qu'on devrait mourir. On est 3. Oh, par contre, lui, son. Ah ouais, avec le haki, ça fait la lame bleue. Ok, je savais pas du tout. Ah ouais, donc c'est ça la wak. Il est en train de nous spoil la wak. Il est vraiment en train de nous spoil. C'est chaud. Voilà, première île c'est fait. Easy. J'ai aidé un petit peu comme. Waouh! 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 Oh, le poteau il m'a acheté une roquette là, ça m'a pas trop plu. Attendez. Hop, avec le petit Light Awaken, ça devrait le faire sans souci. Non, j'aime pas quand ça bug comme ça. Ok, ça va. On l'a éradiqué. On l'a. Je sais même plus les mots carrément. Hey, on se débrouille franchement hein, pour un level 700. Bon, j'ai pas trop parlé, j'ai pas envie de mourir. Ok, les gars, je vous reprends. Ouf! Bon, 1500 fragments du coup. Ok, deuxième raid. On est avec un Gomu user. Je sais pas ce qui se passe. Ok, mais tant que ça passe, les gars, ça passe. Première île, c'est assez simple. Normalement, il n'y a pas de raison de mourir. Ouh là là, oui, il y a une grosse raison de mourir. Ok. Alors, on va rester comme ça, la technique. Et bon, heureusement qu'on a ce skill, les gars, en vrai. Hein. Ouh, ça nous permet de nous échapper.
deuxième île, mais bon, j'ai pas beaucoup de vie. Oh, le Magou, il envoie, hein. Quand un mec il utilise Magou, ça se voit qu'il y a de la puissance parce que ça vibre à l'écran, c'est un truc de fou. De toute façon, je prendrai ma revanche, les gars, hein. Dès que je serai full Awaken, quand je vais commencer à solo les raids là. Bref. Ah, je me disais bien qu'il avait une petite chaise gaming, le mec en bleu là. Ça allait un petit peu trop vite, Je me disais bien, mais wesh. Ouais, c'est juste sa chaise gaming, quoi. Ok. Bon, deuxième raid, c'est fait. Ça va très très vite, c'est parfait. Ok, on est parti pour le troisième raid, les gars. Ça va passer à 3500 fragments. Ok, donc on peut dire merci à la chaise gaming qui nous permet d'auto-kill les ennemis. Et c'est pratique quand même ce truc là, hein. Oula, je crois que je me suis rapproché que ça l'a annulé. Voilà. Déjà. Ok les gars, troisième raid terminé. Avec un temps digne des... Bon, digne des... Je vais pas dire le nom. Ça c'est très stylé. Ça donne envie un petit peu cette petite boutique là. Ça donne envie, hein. Tout vers là-bas là. Tout ça là. Les bails de Phoenix. Les bails de... Ouais, Phoenix Dragon. Non, moi j'aime trop les zones. Les zones c'est incroyable. Bref, on va arrêter de rêver. On va faire un dernier raid. Enfin, un dernier raid. Un raid pour Awak le Light. Parce que là, je suis à 3500 fragments et le prochain move est à 4500 fragments. Attendez, mais depuis tout à l'heure là, je suis en train de réfléchir, mais je pense que je peux mettre mon point à Hot and Cold. On va faire ça, les gars, parce que waouh, le trajet. Oh, magnifique dragon. Non, dragon, c'est magnifique. Ouais, ok, c'est bien comme je pensais. On va mettre le point directement. Hop. Ok, c'est bon, c'est 7. On est parti. On va awaken le Reflection Kick. J'espère qu'il va être beau ce move, j'espère. Ok, parfait, on est dans le Red Light. Normalement ça devrait bien se passer, je vais pas vous mentir. Je suis un petit peu plus aux aguets que sur le Red Flame. On essaie quand même de faire un petit peu de dégâts. Non, mais j'en ai marre de... Non, c'est bon, j'en ai marre des boules de pique. C'est bon, il recule pas quand je fais l'attaque le X là. Quand je fais le Kamehameha, il recule pas. Non. Oh non, c'est bon. Allez hop, technique du campeur. Hop, on fait ça comme ça, on va tourner en boucle autour de la pyramide. C'est la seule solution les gars pour pas que je meure. Ok, c'est bon. Oui. Ok les gars, bon, l'ascension, c'est parti. Ouf. On y va tout doucement. Mystérieux Santiti, un petit coup de pied, hop. Ok, ascension. Ouf. Pour 4000, on a assez. On a 4500, of course. Ok. Ouf. Light Speed Destroyer. Donc on va tester ça directement. On va tester sur un petit ennemi. Qu'est-ce que ça donne? Déjà la pose est atypique. Ok. Oh la dinguerie. Non. Attends, mais dis pas que je peux en prendre plusieurs. On va essayer de retester. Donc Light Speed Destroyer. Hop, comme ça j'arrive. Et je les charge. Oh non, elle est magnifique. Oh, l'attaque, elle est magnifique. C'est comme si j'étais à la première personne en fait. Oh, le light est magnifique, les gars. J'en peux plus, j'en reviens pas. Ok les gars. Ouh. On est parti pour tenter d'awaken le dernier move, les gars. Le dernier move du light, ça fait plaisir. Non, j'ai trop envie de retester le move. Hop, on va essayer de trouver un mob. Non, il est incroyable le move. Je pense que c'est le meilleur. En termes de ressenti, c'est vraiment le meilleur, je pense. Quoique le Kamehameha est pas mal aussi. Ah, je sais pas. Mais en fait, le fait que ça soit la première personne, c'est incroyable. J'aime beaucoup. Ok. Premier raid vers le dernier move. On est à 1500 fragments, les gars. Ok, les gars. 2500 fragments. Deuxième raid vers le dernier move terminé. Ok, bon, les gars, changement de programme. On m'annonce qu'on peut faire un petit raid low. J'ai jamais fait ça. Ok, c'est parti, on va les suivre. Ah, ok. Ah, ouais, vraiment, faut l'avoir à la porte. Il faut l'avoir, ok. On arrive là-dedans, dans un petit laboratoire. Ok, stylé, j'aime bien. Ok, c'est parti. Donc, du coup, on a le boss low. Oh, il est trop bien fait, magnifique. Il nous a fait une petite room. J'espère que c'est pas trop dur. Ok, on lui met des petits dégâts. Facile. Oula. Wow. Facile, je le retire le facile. Oh, mais attendez, mais il est impossible à toucher en fait. Non, mais m'emmener où? Mais c'est beaucoup trop dur leur truc. Est-ce que je peux re-rentrer du coup? Même pas. Ok, les gars, le portal m'a permis de revenir dans le Red Low. Parfait. Ok, on va pouvoir observer. Non, mais par contre, c'est trop low. TP partout. Ah, ouais, il lui reste beaucoup de vie en plus. Oh, merci Tori, ça me heal. Non, l'eau, c'est quelque chose, hein. Faisant. Oh là, moi je te fais pareil que toi, gros. Il est pas un petit peu abusé là, le lot là? Attendez, je vais me réfugier ici moi, parce que waouh, admirez le spectacle là. J'espère qu'on gagne des fragments, ça serait cool. Et si j'arrive à le toucher avec mon... Oh, j'ai touché. Ok, le lot est mort et je crois bien les gars que j'ai rien eu. Go raid les gars, il nous en reste plus que deux. Ok, avant-dernier raid terminé les gars. Bon, je vous casse pas, c'est un petit peu long, mais au moins c'est fait. Ok, on se retrouve les gars pour le dernier raid. Et on va essayer un petit peu de les aider. Hop, petite arrow, petit light, light Kamehameha. Wow. Oui, les gars, c'est fini enfin. Oh, c'était chaud, on a failli pas réussir le raid. Il restait plus que 30 secondes, mais bon, on a gagné quand même 500 fragments. C'est plus le poids qu'il nous fallait. Le petit GG, est-ce que vous êtes prêts les gars? Le dernier move, Sky Beam Barrage, qui va être Awaken. On va enfin mettre fin à cette session terrible qui va free oh, beaucoup de temps les gars à tourner, c'était fou. Ok, ascension, c'est parti. 5000, on a bien les 5097 précisément et c'est Awaken les gars, on va tester ça directement. Qu'est-ce que ça donne? Ok, donc avant c'était une petite range et maintenant... Oh, waouh.
Ok, c'est exactement la même chose, sauf qu'il y a une plus grande range. Donc en gros, si on récapitule, on a la Arrow, hop, qui tire 3 flèches comme ça, qui fait 3200, donc c'est plutôt fort. On a le Kamehameha, donc le X, hop, qui fait aussi 3000 de dégâts, plutôt fort également. On a la Sword, qui n'a pas été rework. On a le Lightspeed Destroyer, pour moi, qui est la meilleure attaque, et en PvP, ça doit être un truc de fou. Magnifique. Et on a la dernière attaque, qui doit être fort utile pour finir les mobs. Voilà, c'est fini les gars. Ouh, enfin, bon les gars, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à activer la cloche, vous abonner, Road to 1K les gars, Road to 1K. Et les gars, je vous dis ciao, à la prochaine pour tester toutes ces nouvelles compétences pour farm.